prenez la température de votre valeur locative. Le contexte de la crise sanitaire a entraîné une baisse des valeurs locatives et offre à de nombreux preneurs l'opportunité d'obtenir une baisse de leur loyer. Encore faut-il agir dans le bon timing. En effet, la valeur locative, à laquelle le loyer d'un bail commercial doit correspondre, évolue au cours de la vie de ce bail. Et ceci en fonction de différents critères, ceux de l'article L145-33 du Code de commerce. Des critères qui dépendent de la volonté des parties, les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, et des critères extérieurs à la volonté des parties, les facteurs locaux de commercialité, ou encore les fameux prix couramment pratiqués dans le voisinage. Par ailleurs, les fenêtres de tir pour mettre en œuvre une action tendant à obtenir une baisse du loyer sont organisées par la loi, en fin de bail ou au cours de la vie de celui-ci. En fin de bail, le preneur est en mesure de solliciter le renouvellement en notifiant une demande de renouvellement. Il n'est cependant pas toujours opportun de notifier celle-ci dans les 6 mois qui précèdent le terme contractuel. Un preneur pourrait avoir intérêt à laisser le bail se prolonger tacitement si la tendance à la baisse ne se révélera qu'après le terme du bail. C'est en effet à la date d'effet du renouvellement qu'il convient de se placer pour fixer le loyer en fonction de la valeur locative. De même, au cours de la vie du bail, la recevabilité ainsi que l'efficacité d'une action en révision sur le fondement de l'article L145-38 du Code de commerce dépend d'une bonne maîtrise du timing. Les modalités sont en effet les suivantes. Il convient de proposer la révision par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. Il convient de le faire 3 ans au moins après la dernière fixation. Et la révision ne prend effet qu'à la date de la proposition par lettre recommandée ou acte d'huissier. Ainsi donc, afin de profiter de la tendance à la baisse des valeurs locatives et pour ne pas passer à côté d'une économie substantielle, eh bien nous vous recommandons de prendre régulièrement la température de votre valeur locative. Pour ceci, 2 moyens d'action. Vous pouvez utiliser le testeur de loyer qui est accessible sur notre site internet. Il s'agit d'un outil numérique totalement gratuit qui vous permettra donc de sonder la valeur locative. Ce test n'est cependant pas un test contrôlé par un expert judiciaire. Il est donc préférable de commander auprès de notre partenaire expert judiciaire, le cabinet Colomère, un avis sur la valeur locative. Cet avis expertal vous permettra de déterminer le bon moment pour mettre en place votre action, soit une démarche amiable, soit une demande de révision légale de votre loyer, soit une demande de renouvellement pour faire fixer le loyer au juste prix.